Bonjour à tous les amis, c'est le Murdjack, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis sur un nouvel épisode de Playstation Mode les amis sur Farming 19. Donc bien entendu je vais vous présenter un broyeur automoteur bien entendu, donc c'est un broyeur Cobra. Donc voilà, c'est un broyeur aussi basé sur un Jens, bien entendu, donc c'est un broyeur automoteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un broyeur? Donc bien entendu c'est un outil qui permet de faire dire de broyer des troncs d'arbres pour faire des copeaux bien entendu comme ceci tu vois, donc t'as. On va dire que si tu veux, ça se conduit à la fois comme un camion et à la fois comme ma classe Xerion si tu veux, donc voilà, ça fait deux en un quoi, ça fait à la fois véhicule automoteur puis un broyeur forestier quoi, donc ça c'est plutôt sympa honnêtement. J'avais déjà présenté un petit mode similaire bien entendu, donc je te conseille de le voir dans la playlist de présentation de mode sur ma chaîne bien entendu. Donc c'est pas compliqué, tu vas dans la playlist, donc c'est pas compliqué, voilà. Bien entendu dessus tu peux avoir deux trois options, donc ça c'est l'outil de base bien entendu, donc celui-ci c'est l'outil avec les options. Donc voilà, tu peux avoir un pare-buff comme un camion tu vois, parce que ça à la base tu vois c'est basé sur une cabine d'Aman TGX, et ça tu vois c'est plutôt basé sur un classe Xerion. C'est en fait un mélange entre c'est un peu un mélange entre deux, pas mal d'outils tu vois, donc ça c'est plutôt on va dire original, j'ai envie de te dire ça sort du lot. Donc bien entendu pour le trouver en boutique tu vas dans les machines forestières, tout comme sur le mode up bien entendu. Donc c'est celui-ci présenté comme en miniature les amis. Donc c'est le HEM 821 Chipper Truck, Chipper Truck bien entendu. Donc dessus tu peux changer la couleur bien entendu, donc en noir et... Oh en noir papa, mais c'est pas mal ça. Tu peux également changer la couleur de la grue. Voilà la couleur de la grue, donc ça c'est plutôt pas mal franchement. Ça peut être fort bien sympathique, je viens de te dire. Donc en termes de marque de pneus, tu as quelques différences, différentes marques, voilà. Lizard, Nokian, Trelleborg. Donc voilà également, donc, tu peux avoir également un pare-buffle. Enfin différents pare-buffles hein, bien entendu, donc voilà. Deux pare-buffles, donc voilà, ça pourrait tout, hein, ce que tu peux avoir. C'est un peu dommage quand même, parce que je t'avoue que c'est un mode qui manque. Qui, je pense, aurait peut-être un peu plus d'options et qui serait peut-être un peu plus stylé, bien entendu. Comme toujours, je te mettrai un lien en description pour le télécharger. Comme toujours, hein, bien entendu, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je vais un peu faire une petite démonstration de cet engin, bien entendu, donc voilà. Hop, tu peux directement avoir différents contrôles, donc voilà. Tu peux également déployer la buse. Comme un broyeur classique, hein, bien entendu, comme les broyeurs classiques du jeu d'origine. Voilà. Ah bah oui, faut encore que je démarre le moteur comme un con, on va dire quoi. Donc voilà un petit peu l'intérieur de l'engin. Donc la cabine qui ressemble étrangement à celle d'un classe Xerion. Avec un volant de camion Man TGX, ça fait un petit peu bizarre quand même. Donc bien entendu, tu peux changer la direction, voilà. Oh, ça fait bizarre quand même. Ça fait chelou quand même. Donc voilà. Hop. Tu peux changer la direction. Non, ça c'est rien, ça c'est mon régulateur de vitesse. Donc c'est étonnant d'ailleurs qu'un engin comme ça monte à 83 km/h quand même. C'est pas courant quoi. Donc bien entendu, les gyrophares fonctionnent. Franchement, c'est un petit gyrophare à LED. Vraiment stylé. Voilà, tu peux orienter la buse, bien entendu. Voilà. Un bras de soutien, tu vois, tu peux également mettre les béquilles pour que l'engin évite de bouger. Hop, voilà. La grue, bien entendu, qui est fonctionnelle comme une vraie grue, tu vois, donc... Ah, ça fait un joli bruit quand même quand tu mets le broyeur en route. C'est assez stylé, franchement, hein, donc... Rien à dire franchement avec la grue et tout, donc c'est vraiment pas mal. La grue franchement qui va vraiment loin. Ah, ça sent comme ma manette qui commence à flancher on va dire. Enfin c'est même pas ma manette si tu veux, c'est mon câble de manette on va dire qui commence à flancher. Vraiment que je pense à changer d'ailleurs, donc voilà. Petite histoire. Ouais donc tu vois la grue qui est vraiment... Qui va vraiment loin tu vois, qui est assez stylée. Et donc voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour cette petite présentation de mode, bien entendu.
Attendez, je coupe mon vire le moteur parce que c'est pas agréable. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette présentation de mode, bien entendu, qui a été relativement rapide. Bien entendu, si t'as apprécié la vidéo, lâche un petit pouce bleu, commente la vidéo, parce que c'est vrai que bon, deux commentaires c'est un peu gonflant d'en avoir, on va dire. Seulement deux commentaires sur mes vidéos c'est un peu gonflant en force, hein, mais bref, j'ai déjà fait une vidéo spéciale sur ma chaîne, bien entendu, suite à ça. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc c'est tout. Genre, ah bah non, je suis con. Abonne-toi, faut aussi s'abonner si jamais t'es nouveau sur la chaîne. Si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, bien entendu, partage la vidéo. Mets aussi la cloche de notif pour pas rater de vidéos. Et suis-moi également sur les réseaux sociaux. Allez, à une prochaine tout le monde, salut!